Bonjour à vous, bienvenue à la maison de l'eau. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, bonjour. 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 Ça va. Oui. Très peu d'eau, hein. Effectivement, on ne va pas chauffer l'eau avec... Donc si vous voulez un verre à boire, bah, allez-y vous servir directement. Également que l'eau n'est pas gratuite. Alors pour vous, oui, hein. Pour l'instant, c'est papa et maman qui paye. Et aussi, on parlera tout à l'heure de la récupération de l'eau dans le jardin. D'accord. 150 litres d'eau. Et puis derrière, il faut quand même que je fasse le ménage et tout. Hein. Donc du coup, je vais finir. Le but, c'était vraiment de leur apprendre à bien utiliser l'eau à la maison, puisque malheureusement, on a 100% d'eau potable consommée à la maison. Mais on utilise 99% pour tout ce qui est hygiène et entretien de la maison, alors qu'on devrait l'utiliser plutôt pour la consommation. Donc c'est vraiment de leur faire prendre conscience de ça, puisque nos réseaux d'eau, ils ne changeront pas, hein, ce sera toujours de l'eau potable à la maison. Mais du coup, de leur faire prendre conscience que chaque eau qui coule coûte cher, et très importante pour la planète en général. Tu bois quoi comme en bouteille? La douche et que vous allez leur couper l'eau. Donc et au lieu de la boire, je mets un produit chimique dedans et je lave la maison. Okay. Qui a des frères et sœurs là? On a pris plein d'astuces pour moins gaspiller de l'eau. Je vais faire de mon mieux pour rester moins de temps sous la douche et je vais essayer d'appliquer le truc des toilettes là. On peut mettre du sable et des cailloux pour que ça consomme un litre en moins. Je mets aussi un chronomètre de 4 minutes sous la douche. Remarquez, c'est qu'effectivement, quand je mets le mode éco de la machine à laver dure beaucoup. Donc elle demande moins d'électricité fatiguée après avoir pressé sur un bouton. Et pourquoi il y a de l'eau qui coule là? Tout simplement parce que j'ai utilisé si elle était blanche ou transparente.